Ma Mission TV, le miroir du monde. Pour procéder à l'examen de la thèse présentée par Monsieur le chef des travaux, Kanyama Sititou Célestin, a déclaré. Le chef des travaux, Kanyama Sititou Célestin, en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Ainsi, avec la mention grande distinction. Je tiens à remercier l'Éternel des âmes. L'impossible est rendu possible. Que Dieu soit miracle. Amen. Je remercie le recteur de l'Université de Kinshasa pour sa détermination. Je remercie les comités d'encadrement, en commençant par les doyens de la faculté. Et le comité d'encadrement, particulièrement les promoteurs. Ma Mission TV, le miroir du monde. Célestin Kanyama Tichou du département de droit pénal et criminologie de la faculté de droit de notre institution universitaire, intitulée de la thèse La contribution à la construction d'une politique criminelle face au phénomène Kuruna en République démocratique du Congo de 2009 à 2015. Promoteur de la thèse, Monsieur le professeur Raphaël Nyabirungu Mwene Songa, recteur honoraire, doyen honoraire de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, président de l'Université de Kinshasa, président de la séance, nous vous l'avons déjà dit, c'est Monsieur le professeur Daniel Gomayazouzi, recteur de notre université. L'ordre du jour de la séance académique comporte 11 points. J'invite
le secrétaire général administratif de l'Université de Kinshasa a vérifié les dossiers académiques des candidats et a certifié que les conditions sont remplies. Professeur Godefroy Kabengele Igwe, secrétaire général administratif, agissant au nom du secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa. Vu le rapport établi par les services techniques des dossiers constitutifs, du dossier présenté par le candidat, monsieur le chef de travaux, Kanyama Tshishiku Célestin, à savoir, ses pièces administratives, son cursus académique et les divers certificats et diplômes antérieurs exigés. La régularité de son inscription à l'épreuve de doctorat en droit et le paiement des frais y afférents. Déclarons que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il remplit toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Fait à Kinshasa, le 18 septembre 2021, pour le secrétaire général académique, le secrétaire général administratif, Godefroy Kabengele Igwe, professeur ordinaire. J'invite le doyen de la faculté de droit à présenter les candidats. Faculté de droit, département de droit pénal et criminologie. L'an 2021. Le 18e jour du mois de septembre, nous, Jean-Louis Essambo Kangaché, professeur à l'Université de Kinshasa et doyen de la faculté de droit, procédons ce jour à la présentation de monsieur le chef de travaux, Kanyama Tshishiku Célestin, à la vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour l'épreuve de la soutenance de thèse de doctorat. Attendu que monsieur le chef de travaux Kanyama Tshishiku Célestin est né à Kinshasa le 4 octobre 1960 en République démocratique du Congo, qu'il a un diplôme d'État, qu'il a également un diplôme de gradué en droit, qu'il est ensuite détenteur d'un diplôme de licence en droit, option droit privé et judiciaire, à l'Université de Kinshasa. Il possède enfin un diplôme d'études supérieures en droit, option droit pénal et criminologie, de la même université. Attendu que par la décision rectorale numéro 0232 du 3 août 2021. Il a plu au recteur de notre université d'autoriser la soutenance d'une thèse intitulée « La contribution à la construction d'une politique criminelle face aux phénomènes roulant en République démocratique du Congo de 2009 à 2015 ». Attendu que le jury constitué par la décision électorale sus-évoquée est ainsi composé. Membre effectif, professeur Kingi Ngomba Chilobai, président. Professeur Labaï Alassane Abar, secrétaire. Professeur Nyabirungu Mwenesonga, commentaire et membre effectif. Professeur Luzolouba Bilissa, membre effectif.
professeur Tumba Wacha, membre effectif, professeur Ngoto Ngo Ingalingi, membre suppléant, professeur Seguiobe Bigira, membre suppléant. Attendu que le quorum exigé est atteint et que le jury peut valablement siéger, invitons monsieur le recteur de l'Université de Kanyama Tshukuru Célestin, ainsi fait à Kinshasa le 18 septembre 2021, doyen de la faculté de droit, Jean-Louis Essambo Kangaché, professeur Robinet. Daniel Ngouma Yamsoussi, recteur de l'Université de Kinshasa. Attendu que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Attendu que le juge nommé par la décision rectorale numéro 0232/R/2021 du 3 août 2021 pour procéder à l'examen de la thèse présentée par M. le chef des travaux Kanyama Tshukuru Célestin, a déclaré celle-ci recevable. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 182/Minesu/KPMI/TMF/R43/CPM/2015, Kanyama Tshukuru Célestin. Et passons la parole au président du jury. Fait à Kinshasa le 18 septembre 2021, le recteur de l'Université de Kinshasa, Daniel Ngouma Yamsoussi, professeur ordinaire. Charge le récipiendaire pour l'examiner et enfin nous remettrons la parole que vous venez de nous accorder. Sans plus tarder, merci. A droit à 30 minutes max et chaque membre du jury. Chacun a droit à 10 minutes maximum. Merci. Sont des membres du jury. Le professeur Ngoto Ngo Ingalingi nous vient de l'université de Kisangani. Il est docteur en droit de l'université de Pretoria depuis 2000 au département de droit public. Comme domaine de recherche, il s'agit du droit pénal général, de la procédure pénale, du droit pénal spécial, du droit pénal international et du droit judiciaire privé. Comme production scientifique, il a plusieurs articles, mais nous n'allons citer que les ouvrages. En 2017, il a publié le guide de protection de l'enfant et en 2018, l'essentiel du droit pénal congolais. Professeur Luzolo Bambilesa est actuellement chef de département de droit pénal et criminologie. Il est docteur d'État en droit depuis 1996, d'Aix-Marseille 3 en France. Il a été nommé professeur associé en 1998, mais depuis 2012, il est professeur ordinaire. Il est professeur de l'organisation et compétences judiciaires et procédures pénales. Il a été secrétaire académique à la faculté de droit de 2000 à 2002. Comme je vous l'ai dit actuellement, il est chef de département de droit pénal et criminologie où évoluent les récipiendaires. Comme domaine de recherche, le droit judiciaire, la procédure pénale et la justice pénale internationale. Il a publié plusieurs aux éditions aux presses universitaires du Congo en 2011 à Kinshasa. Le traité de droit judiciaire, la justice congolaise et ses institutions aux mêmes éditions en 2018.
Comme activité scientifique, évidemment, il a donné plusieurs séminaires, colloques, tant sur le plan national et international à travers le monde. Société 12 professeurs full et 97 professeurs ordinaires. Il a respectivement occupé les fonctions ou assumé les charges suivantes. Actuellement, directeur général de l'École nationale de la territoriale au ministère de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières. Il est recteur honoraire de l'Université de Kinshasa. Il est professeur de relations internationales. Il a été chef de département de relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Il a été vice-doyen à la faculté de sciences économiques à l'Université de Lubumbashi. Il a été doyen de la faculté de sciences économiques à l'Université de Lubumbashi et doyen de la faculté de sciences sociales, administratives et politiques à l'Université de Kinshasa. Comme domaine de recherche, c'est la politique étrangère de la République démocratique du Congo, la coopération internationale, les organisations internationales, la négociation internationale. Production scientifique, il a plusieurs publications, plusieurs articles qu'il a cités, mais nous nous limiterons, certes, professeur, à ne citer que vos ouvrages. La politique étrangère, Kinshasa, édition spéciale, CEPAS 2020. Relations culturelles internationales, Kinshasa, édition Sirius 2015. Les organisations internationales, théorie générale et texte, Kinshasa, édition Sirius 2008. La diplomatie congolaise, présence et perspective, Kinshasa, édition 1997. La politique étrangère de la République démocratique du Congo, structure, fonctionnement et manifestation, Kinshasa, édition Sirius 2008. Le professeur a donné plusieurs conférences, séminaires sur le plan national et international, et nous notons que, comme société savante, membre de l'Association internationaliste des internationalistes de relations internationales, ambassadeur de la paix de l'organisation OASP. Nous présentons le promoteur de la thèse, le doyen Yabigongo, qui peut bien se mettre debout. Département de droit pénal et criminologie, docteur en droit de l'Université catholique de Louvain depuis 1980, professeur émérite de plusieurs ouvrages, plusieurs des réformes de droit congolais, sous vos applaudissements, qui peut bien se mettre. En 2020, elle dirige un ouvrage intitulé « Réforme du droit des obligations en RDC, mélange en l'honneur du doyen honoraire Kalongo Mbikai Bonaventure » qui était publié en 2019 à l'Armatan. Elle est auteur de plusieurs publications scientifiques. Mais la doyenne honoraire est membre de la Commission permanente de réforme du droit congolais. Elle a exercé d'autres fonctions politiques, notamment membre du cabinet en tant que conseillère, ensuite directeur de cabinet adjoint honoraire au ministère de la Justice et des Droits humains. Elle est avocate près la Cour de cassation et sur le Conseil d'État. Elle est actuellement membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Veuillez appuyer Madame la Présidente. Merci pour la parole. Avant toute chose, je sollicite l'indulgence de votre part par rapport à notre thème d'invocation qui est parfois dérangé par la profession. Je vous plaise de discuter. Pour vous présenter les résultats de nos recherches entreprises il y a quelques années, intitulées Contribution à la construction d'une politique de lutte contre le phénomène colo. Notre intervention va s'articuler sur 9 points, à savoir l'état de la question, la problématique, l'hypothèse, la méthodologie, la délimitation du sujet, les difficultés rencontrées, la subdivision de l'étude et les constats de recherche. Et enfin, des propositions concrètes. L'étude que nous soumettons à votre appréciation se propose de réfléchir sur la politique criminelle des luttes contre ces phénomènes, en y englobant aussi bien nos pénaux adéquats.
Les Koulouna dont il est question est entendu comme un phénomène de violence, d'agressivité engendré par un groupe d'individus qui agressent les paisibles citoyens, volent, extorquent des biens de valeur des Koulouna. On peut citer quelques-uns. D'abord, le professeur Shoba Kiyimba, qui dans son article intitulé « Koulouna ou le gangstérisme juvénile à Kinshasa, récurrence logique d'action et vulnérabilité des moyens de prémunition » publié en 2011, a sommairement évoqué l'impact. Ensuite, le professeur Kengeken Elifera, dans leur ouvrage intitulé « Violence urbaine et réaction policière à Kinshasa » publié en 2017, suggère la mise en place d'une politique audacieuse sur les droits socio-économiques. Dans ce sens, au second tour des recherches sur le phénomène, il propose un cadre socio-économique de sortie de cette violence qui met en exergue une pluralité d'acteurs essentiellement communautaires. Ces auteurs observent une grande distance par rapport à la politique pénale suivie dans la gestion de ces phénomènes. Mais notre étude va au-delà. Nous avons sur l'opérationnalisation des concepts. Vous avez opérationnalisé le concept de Koulouna. Monsieur le chef de travaux Kanyama, au terme de ce qu'entendez-vous par Koulouna? Qui détourne 1 million, 10 millions, 100 millions, ne sont-ils pas des Koulouna? Ceux qui volent, qui arrachent une chèvre, un bouc, un stylo, brutalement, c'est vrai. Donc, est-ce cela du Koulouna? Est-ce que vous avez spécifié le concept pour la compréhension du travail? C'est une question de forme. C'est vous, l'auteur de la thèse, qui employez le concept. Deuxièmement, toujours au niveau de la forme, vous le dites si bien que votre approche est holistique. Pas vous l'avez dit, c'est holistique. C'est holistique par rapport à quelle approche? Parce que la vôtre, elle est holistique. C'est par rapport à quelle autre approche? Holistique, c'est votre complète. Votre approche est complète. La question de fond, vous avez énuméré plusieurs facteurs, monsieur le chef de travaux, qui déterminent les gens à devenir Koulouna. Je vais parler des facteurs environnementaux. Mais parmi tous ces, vous avez bien répondu à la question de la comparaison entre autrefois les mesures judiciaires. Pour que quiconque ne puisse pas utiliser cet argent et sa propre. Comment sécuriser les causes? Je trouve que le koulounisme est comparable carrément au terrorisme. Autrement dit, le Koulouna, c'était un terroriste. Si je dois bien peut-être paraphraser ce qu'il a dit. Alors, je voudrais rapidement montrer que le travail lui-même relève de la théorie et de la pratique. La théorie, on sait voir dans le travail tout ce qu'il a eu à dire en empruntant les différentes théories du positivisme, de la justice absolue, de la défense sociale et même de la réparation. La question de la réparation est venue là-dessus. Matérialise sur pour que nous soyons satisfaits. Ce que nous avons proposé ici, si ça peut être accepté par les décideurs, et on arrive à mettre en enseignement qu'on est chercheur, mais nous sommes également acteurs. Nous avons participé à la paix vis-à-vis de ces délinquants. Nous connaissons quand même avec les avantages pour que nous puissions améliorer les conditions. Je crois si on peut arriver à mettre ça en pratique, il y aura au moins les débuts d'une source. Chers collègues,
J'accorde la parole au président du jury pour la proclamation des résultats. Le président, la présidente. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en droit a examiné la thèse présentée par le candidat, Monsieur le chef de travaux Kayamati Chikousset-Saint, en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Ainsi, avec la mention grande distinction. Candidat précité. Fait à Kinshasa le 18 septembre 2021, la présidente du jury, Kenge Ngomba Chilombai, professeur Orléans. Verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de monsieur le chef des travaux Kanyama Célestin Sitikou en vue de l'obtention du grade des docteurs en droit. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi 021-026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées, conférons au candidat précité le grade des docteurs en droit. En foi des quoi, nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance et tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance et loi dont référence si haut. Fait à Kinshasa, le 18 septembre 2021, le recteur de l'université de Kinshasa, Daniel Ngomayatouzi, professeur ordinaire. Thank you.
dans notre bibliothèque. Vous devez la rendre vivante. C'est-à-dire que vous devez la publier. Sinon, on l'aura oublié. Deuxième chose, lorsque vous avez pris la parole, vous êtes excusé au nom du jury. C'est vrai. Vous avez commencé par hésiter avec un langage des militaires. Et lorsque vous répondez aux questions du jury, c'est comme si vous avez pris de l'avion et quand l'avion arrive à prendre la vitesse de croisière, il se stabilise. Vous êtes stabilisé. À la faculté, vous aurez à apprendre deux langages. Le langage des officiers, le langage des professeurs. Et pour cela, la faculté a des recettes pour vous proposer. Félicitations. Encouragé. Et je vais remercier. C'est sous ces trois petits mots que va s'articuler mon adresse finale. Sincères félicitations. Le technicien est là? C'est bon. Ok. Sincères félicitations aux lauréats. Hier, vous étiez le resplendeur. Et aujourd'hui, vous êtes le lauréat. Et donc, docteur comme moi, mais aussi mon frère en Christ, parce que je partage la même parole que toi. C'est un grand jour pour moi et pour lui. Je lui ai dit que ce jour-là, Dieu l'accomplira, quelles que soient les envies. Parce que c'est la foi qui déplace les montagnes. Prophète Roma. Très sincères félicitations pour la qualité de votre dissertation doctorale, votre traité de doctorat. Aujourd'hui, vous êtes docteur en douce. C'est-à-dire qu'après ça, il n'y a rien. Et donc, vous appartenez au monde des savants que nous sommes. Sincère félicitations. Je me tourne du côté de mes collègues, les savants. Vous qui avez rendu de l'enfance à l'adulte, le docteur Kanya. Ce n'était qu'un enfant sur le plan scientifique. Mais aujourd'hui, grâce à vous, chers collègues, l'enfant n'est plus enfant, il est maintenant adulte. Je vous présente les sincères félicitations. Je vais maintenant encourager. Mais qui encourager devant cet auditoire? C'est clair. Ceux qui sont sur l'étape de la recherche, qui désirent aussi connaître ce jour ici. C'est un jour de félicité. Ce n'est pas n'importe qui connaîtra ce jour où on les portera une étoile. Des docteurs, ce n'est pas n'importe qui. Il faut être dans les destins de Dieu. Je voudrais maintenant, non pas vous féliciter, mais vous encourager. Tenez ceci pour conseil. Il y a deux mots clés que j'ai toujours dit. Un conseil sacré que je donne à ceux qui n'ont jamais senti de ma naissance. C'est de voir mon papa. Je suis certain, mon papa.
Je suis le recteur qui vient de faire plus longtemps. Je suis le recteur. Docteur, et il vous a honoré publiquement, vos mots propres. Donc je suis l'homme le plus heureux. C'était un jour très bon pour moi, parmi les meilleurs. Mais papa, et qu'est-ce que vous lui souhaiterez pour l'avenir? Oh, je suis des bonnes choses. Hein. Je voudrais qu'il monte encore, et qu'il monte encore, plus haut encore. Merci. Papa, lelo, moi, en ayant général, c'est ça qu'on a cette fierté, comme lelo, professeur, docteur, malinga, là. Et l'on y a au club, lelo, on a mal dormi, on se met au club. D'accord, papa, oui. Les atolis pour la baouyo, basus, oyo bandi me la kangaye, baki del bosso, baye kula. Zambé, à cause de l'eau, dégine yo yé kolate, baye kula. N'a pas prié le biso, bako mata. Bako mata, lobi lobi, bako a batouine. Dégé, moi la gaye. Docteur, Amati Makassien. Papa, vous êtes un mentor, c'est vu aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de plusieurs éléments de la police qui croient peut-être qu'il y a le métier ou la profession de la police qui est une profession des armes? Non, la police, il n'y en avait pas. Hein? On serait dans les désordres. La police est très importante. Très, très importante. La police qui met de l'ordre, qui conserve la paix dans une ville, dans un pays. La police est nécessaire, nous devons respecter les policiers. Quand le policier est là, en tenue, devant un grand camion, s'il lève la main, il représente l'État congolais. Le camion doit s'arrêter. J'ai beaucoup de respect pour les policiers. Docteur Célestin Kanyama, bonjour. Bonjour. Quelle avait été la particularité de la thèse que vous avez soutenue publiquement aujourd'hui? La particularité de notre travail, de notre étude, se localise sur la répression. D'abord, ça se localise sur la prévention, le renforcement des capacités des intervenants dans le phénomène Kuluna et enfin la répression. Et pensez-vous qu'en conclusion avec votre travail, ce travail pourra résoudre d'une manière générale le phénomène Kuluna? Tant soit peu, je crois que ce que nous avons proposé, c'est parmi tant d'autres pistes de solutions que le gouvernement peut envisager pour éradiquer, même pas totalement, mais vous allez sentir un changement dans le phénomène Kuluna. Et il y en a qui ont pensé, qui ont présumé qu'on ne pouvait pas trouver des têtes aussi au sein de la police congolaise. Aujourd'hui, vous avez fait le contraire. Quels sont vos propres mots pour encourager ceux qui sont dans ce service? Vous voyez, je ne peux pas me mettre à la fenêtre et me voir moi-même passer. Je suis un élément de la police. Je crois qu'il faut respecter aussi la police. Merci. Vous auriez dû parler d'autre chose. Vous savez, quand vous vivez dans l'eau, vous ne pouvez que parler de l'eau. Docteur Kanyama Mbote, le lot comme professeur docteur na université à Mouné, dans l'université de Kinshasa. Et c'est mon nom, ils allaient nous comment le lot comme professeur docteur. Et c'est mon nom, ils allaient. Si Kanzamba comme singa le lot, je lui dis grand merci. Puisque c'était mes ambitions. Je crois que le chemin est encore long, mais je crois que Dieu pourra nous accompagner sur le parcours. Mais ce que je peux retenir, devenir ce que je suis devenu par la grâce de Dieu, et que c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Moi, j'ai un professeur docteur Batualobi, vous êtes un homme de rigueur, nous sommes dans la police. Est-ce que rigueur ou non, mais moi, j'ai une université. Oui, mais c'est ça. Mais je vous ai dit tout à l'heure que Bato, encadré Ngaï, Bamoni Singaï, Bamoni Akate. Merci. Au départ, je croyais que ça commençait même des fois. Mais je me suis dit, il faut persévérer. Vous savez, il faut être un homme déterminant. Il faut, quand vous cherchez quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas vous arrêter en cours de chemin. Bien sûr qu'il y a des ambitions, mais il faut aller. Il faut aller. Comme j'étais déterminé à aller jusqu'au bout, Dieu m'a facilité la tâche et je suis arrivé. Il faut toujours décider. Message particulier, c'est Baninga Nara Moussala, puis Baninga Nara. Oui, Baninga Nara Moussala, c'est ce que je peux dire. Je les aime tous. Et puis, en dehors des kakis, il y a une vie. En dehors d'avoir la tenue de la police, de l'armée, il faut savoir qu'au-delà, il y a une vie. Oui, je suis général de l'armée. J'ai grimpé presque tous les grades et maintenant, je suis général. Mais il faut aller aussi dans l'autre sens.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se limite seulement dans notre kaki. Non, non. Je sais qu'il y a beaucoup de docteurs, il y a beaucoup de scientifiques au sein de la police. Mais ce que je peux leur dire, il faut aller de l'avant. Nous devrons, pour révolutionner, monter en puissance de la police aussi, il faudrait que nous puissions avoir des cadres qui ont étudié. Je sais qu'ils sont nombreux et je les félicite. Ceux qui n'ont pas encore compris la philosophie doivent comprendre qu'il n'y a pas seulement que les kakis. En dehors des kakis, il y a une vie. Quand nous allons dans d'autres pays, on vous parle d'un général, d'un colonel, d'un major, d'un capitaine, mais en dehors de ce qu'il a fait dans la carrière professionnelle, mais on vous dit qu'il est docteur en ça, il est docteur en ça. Pourquoi pas chez nous? Le Congo, c'est un grand pays. Il faudrait que les gens puissent aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci. Docteur Kanyama. Ma mission TV, le miroir du monde.